Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo. J'en profite, il y a un petit peu la volatilité qui a baissé, donc on est en train de tergiverser, etc. Donc j'en profite pour vous faire cette vidéo, pour vous préparer en fait. Ce que je n'avais pas eu le temps de faire encore, c'est de parler des résultats un petit peu d'avril 2019. Donc ces résultats, j'ai préparé un article, je vous mettrai le lien dans la description justement pour que vous alliez voir le détail. J'ai notamment expliqué un petit peu non seulement mes positions actuelles, mais également donc mes positions du mois d'avril. Donc l'idée sur avril, ça n'a pas été un mois exceptionnel pour moi, hein. J'ai fait 0,4%. Au dernier comptage sur mon portefeuille court terme et 0,6% sur mon portefeuille long terme. Ça ne tient pas, j'ai pas les dividendes là-dedans, bien entendu, c'est des performances sans dividendes. Donc l'idée, c'est toujours la même sur le mois d'avril finalement. Quel a été le préjudice? Donc, si on regarde les performances, je vous mets un tableau, j'ai eu très bonnes performances, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de petites valeurs qui ont fait des performances à deux chiffres, hein, et donc sur lesquelles j'ai réussi à bien surpondérer, bien sortir, bref, ça s'est plutôt bien passé. Et à côté de ça, j'ai eu bien entendu des trades perdants, mais des trades où j'ai réussi à contrôler les pertes, et donc à les minimiser, à avoir des petites pertes. Donc ça également, ça s'est plutôt bien goupillé, donc quelque part, on a envie de dire que c'était le mois parfait. Pourtant, la performance, voilà, elle est pas, la performance sur le mois en tant que telle, elle n'est pas énorme. Il y a plusieurs raisons à cela. Première raison, le BX4, bien entendu. C'est-à-dire que le BX4, je ne considère pas ça comme une position baissière. Je l'avais déjà dit le mois dernier, c'était une position d'assurance. C'était pour éviter justement que si Tweet se lève du pied gauche un bon matin, que Trump se lève du pied gauche un bon matin et décide de tweeter ce qu'il a tweeté sur le mois de mai, on voit tout de suite qu'il peut y avoir un regain de volatilité. Et donc, le but... C'est d'avoir cette assurance. Et une assurance, comme vous le savez, comme une assurance automobile, c'est pour vous prémunir de quelque chose qui a une probabilité d'arriver qui n'est pas énorme, et puis surtout, on ne sait pas trop quand est-ce que ça peut arriver, mais quand ça arrive, ça peut faire mal. Ça peut faire mal à votre portefeuille, et le temps, surtout sur un portefeuille court terme, puisque je rappelle que j'ai le BX4 sur mon portefeuille de court terme, le temps de vous retourner et d'avoir le temps de vendre vos positions, qui sont en règle générale les petites valeurs, etc., où le carnet d'ordre peut bien évidemment se vider très rapidement, et ben vous vous retrouvez à perdre 3-4%. Donc pour éviter, pour compenser ça quelque part, c'est pour ça que j'avais une position aussi importante sur le BX4. Bien entendu, on peut toujours refaire la guerre après coup, hein, refaire l'histoire après coup, c'est-à-dire qu'on peut toujours se dire qu'en effet cette position-là, quelque part, j'aurais pu la vendre déjà à perte, avec des petites pertes sur quand on a cassé à la hausse les 5400 points, et la reprendre sur les 5550 points. Bien évidemment, selon Pangloss, dans le meilleur des mondes possible, c'est tout à fait ce que l'on aurait pu faire. Mais toujours est-il que je ne l'ai pas fait. Donc oui, le BX4 m'a coûté de l'argent, mais il m'a permis de bien dormir. Il m'a permis de rester agressif sur mes positions sur le mois d'avril, et notamment voilà, de dégager pas mal de plus-values. Maintenant, ces plus-values-là, elles ne sont pas parties de nulle part non plus. Je pense qu'on en parlera sur le mois de mai. Donc, comme je vous l'ai dit, le BX4 a absorbé un petit peu ces plus-values-là, puisque lui, il a fait des moins-values pendant ce temps-là. Mais également, c'est pour le bien mental et le bien émotionnel. Donc c'est toujours comme ça qu'il faut voir également certaines positions. C'est comme les minières. Quand vous avez des minières, il faut accepter que c'est spéculatif, que c'est volatile et que ça bouge énormément et que vous pouvez retrouver dans des moins-values latentes de moins 10, moins 15%, sans pour autant que votre stratégie, sans pour autant que votre vision et votre plan ne soient caduques. Donc ça, évidemment, le but, c'est d'adapter les tailles de position pour éviter tout simplement de se faire harakiri et de se faire peur justement quand on a des plans tout simplement qui sont trop serrés ou alors qui sont trop larges avec des positions trop larges. Donc ça c'est toujours pareil, c'est la gestion de la taille de position, la gestion du risque, c'est ça clairement le nerf de la guerre. Et ensuite, on en reparlera sur le mois de mai, mais en fait ce qui me plombe aussi la performance sur le mois d'avril, c'est évidemment les positions latentes que j'ai, et donc des pertes latentes. Donc j'ai pas mal de positions aussi qui ont reperdu leurs gains. J'ai essayé de faire des coudes, j'ai essayé de puiser, bien évidemment c'était le but sur le mois d'avril, d'essayer d'aller puiser un petit peu sur les canards boiteux, tout ce qui pouvait éventuellement encore performer le temps justement avant qu'on se retourne. Et bien évidemment,
quand le marché commence un petit peu à se retourner, les canards boiteux, des dossiers pourris, entre guillemets, sont les premiers qui se retournent également. Et ensuite, donc, des tailles de position un petit peu trop importantes. Par rapport à quand j'ai pris les positions, ces carnets d'ordre étaient bien, justement, bien fournis, puisqu'on avait un appétit pour le risque. Et là, dorénavant, on sent que l'appétit pour le risque est parti très rapidement. Et du coup, derrière, pour vendre ces positions, c'est un petit peu plus laborieux. Et donc, forcément, on a un préjudice au niveau des pertes. Mais bon, ça, c'est une problématique quand on a un portefeuille qui est conséquent et que du coup on a des tailles de position qui sont parfois un petit peu trop conséquentes par rapport à une action en particulier qui, dès que évidemment il y a des volumes qui commencent à se barrer, il y a les acheteurs qui commencent à fuir le carnet d'ordre, et bien c'est un petit peu plus compliqué derrière pour vendre, on vend au fur et à mesure, etc. Donc là, c'est donc la compréhension que la performance finalement du mois d'avril, c'est essentiellement dû à de la moins-value latente qui est encore dans le portefeuille aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de positions que j'ai pas soldées, que j'ai encore conservées. Et donc, du coup, sur le mois de mai, quelque part, la performance du mois de mai sera absorbée par justement ces moins-values latentes qui ont déjà impacté la performance sur le mois d'avril. Je ne sais pas si c'est très clair, mais en tout cas, c'est l'idée. Donc voilà, on a fait bonne spécu sur Cyberion, Anobiotics, Sensorion, AB Science, Neovax. Alors Neovax, le point sur Neovax, c'est que l'essentiel de la position avait déjà été sécurisé, l'essentiel des gains avait déjà été sécurisé précédemment. Sur le mois d'avril, en fait, j'ai débooké ma position. Donc c'est pour ça, c'est que quand je déboucle la totalité de la position, que dans le tableau, la performance va rentrer. Donc j'ai pas fait cette performance-là sur Neovax sur le mois d'avril, je l'ai faite bien avant, c'est juste que j'ai débouclé les derniers titres qui me restaient de Neovax, et c'est pour ça du coup que la performance cumulée et globale sur cette position va venir s'afficher ici. Donc je rappelle également que ces performances-là sont des performances cumulées, donc c'est sur l'ensemble des positions que j'ai pu prendre. Alors il y a certaines positions, la majorité des positions, je les ai tenues tout du long, il y a d'autres positions où j'ai fait des allers-retours. Donc ça, c'est à prendre en considération également que c'est donc une performance cumulée par position, par ligne, par sur l'action, entre guillemets. Voilà, et voilà, pas grand-chose à se dire de plus que ça. Après, j'ai tenté des coups, certains n'ont pas réussi, mais voilà, les tailles de position m'ont sauvé à chaque fois, où j'ai pas justement surchargé un petit peu trop la mule. Et donc, on a réussi à faire ce qu'il faut, à faire donc plus de ce qui marche, et moins de ce qui ne marche pas, évidemment, c'est toujours ça le rythme. Et puis, sur le mois de mai, bien évidemment, j'ai quelques canards boiteux, et donc là, maintenant, l'important, entre guillemets, c'est de pouvoir gérer, continuer de gérer ses positions. Et comme je vous l'ai dit, tout mon travail là, maintenant, la performance annuelle a déjà été faite hein, sur ce portefeuille court terme. Et donc le but maintenant, pour moi, c'est de sécuriser. Donc c'est-à-dire que quand je vois des choses qui sont intéressantes, j'y vais, mais j'essaye de sécuriser au maximum la performance et d'éviter la volatilité. Donc ça, c'est le but. Jusqu'à ce, évidemment, qu'à un moment donné, on se retrouve dans des configurations qui soient beaucoup plus alléchantes. Mais là, clairement, on l'a vu avec Trump, la volatilité revient. Donc clairement, on est en mode temporisation et le but, c'est avant tout de sauvegarder le capital et de sauvegarder les gains que le marché a bien été sympa de nous donner sur ce début d'année. Donc on va éviter de lui redonner trop facilement. Ensuite, sur le portefeuille long terme, donc 0,6% de gains. Bon, ça, c'est pas très important. Je ne suis pas la performance mensuellement sur mon portefeuille. Mon but également sur ce portefeuille long terme, c'est pas de battre le marché. Cette performance également, donc c'est sans les dividendes. Clairement, j'ai fait pas mal d'achats. Donc j'ai fait un aller-retour sur Nokia, c'est-à-dire j'ai vendu, j'ai sécurisé ma plus-value avant les résultats. Bon, on avait déjà une dégradation sur le graphique avant les résultats. Et du coup, sur les résultats, j'ai racheté une position que je compte compléter. On voit que la zone des 4,40€ est une bonne zone de soutien. Donc il me reste, après j'ai complété pas mal de valeurs minières sur ce mois-ci et j'ai surtout diversifié. Donc j'éclate. J'éclate le portefeuille et derrière l'idée c'est que ce qui va pas marcher on va le virer assez rapidement et ce qui va marcher je vais aller le surpondérer. Le but également c'est d'aller chercher les dividendes, c'est une performance sans dividendes que je vous montre là. Ensuite on avait fait en décembre 2018, on avait pu en parler où j'avais surchargé l'Europe et j'avais surchargé notamment les pays émergents donc via Tracker. Donc là, je vais décharger un petit peu la mule sur ces deux-là. Donc ça va me permettre voilà, de remonter un petit peu mon niveau de liquidité
et ce niveau de liquidité derrière, de pouvoir le mettre sur des positions qui tiennent bien, qui vont me délivrer des dividendes et qui vont me permettre d'être plutôt cool sur la fin d'année et de voir venir. Et puis le reste, on va essayer de liquifier, donc c'est-à-dire revenir à une reconcentration du portefeuille. Mais voilà, dans l'idée, je commence de plus en plus, et de toute façon, vous l'avez vu, ça fait déjà, facilement plusieurs mois, 6 mois, voire même une année, que je regarde pas mal de valeurs minières. Il y a Gazprom aussi qui m'intéresse beaucoup, hein, à surcharger. BlackBerry, ça va finir par devenir mon tracker US. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc j'ai pris du Mercialis également. Donc tout ça, c'est en attente. Donc c'est des constructions, c'est toujours pareil. C'est-à-dire vous prenez des petites positions au fur et à mesure, vous les accumulez dans votre plan, ça doit faire partie de votre plan. Et derrière, au fur et à mesure, ce qui marche, on continue de le surpondérer, et ce qui ne marche pas, voilà, on le vire très rapidement, quitte à y revenir plus tard. Donc c'est une gestion long terme, et c'est une gestion long terme active, hein. Donc je ne suis pas en mode lazy investing, hein, c'est-à-dire j'achète un tracker et je ne regarde plus. Mes trackers, je les gère un petit peu comme ça, plus en lazy investing, sauf que là, voilà, aussi je suis en mode actif, c'est-à-dire que j'avais resurpondéré sur le mois de décembre 2018, maintenant je vais réduire à nouveau la voilure et plus être sélectif et donc aller chercher des dossiers en particulier, notamment des minières. Donc après, bon, il n'y a pas que du avril là, essentiellement ces positions Coeur Mining, Mercialis, Energy, Europcar, j'ai rentré ça sur le mois de mai, sur le début du mois de mai, et j'ai surpondéré également. Gazprom, ça m'intéresse de surpondérer également, parce qu'il y a un bon dividende. Je veux dire, la Russie, vous avez quand même, alors il y a toujours le risque géopolitique, hein, il y a toujours le risque qu'après la Chine, peut-être que Trump va taper sur l'Europe, peut-être que Trump il va taper sur la Russie, on ne sait pas. Mais après, toujours est-il que le marché russe actuellement, pour cette raison très certainement, il est très peu cher. Vous payez 6 fois aujourd'hui des profits futurs, et derrière vous avez en moyenne du 6% de rendement sur ce marché-là. Donc après, bon, je n'avais pas pris le tracker russe, je l'avais à une époque, mais je ne l'ai plus depuis, alors qu'il est toujours bien haussier. Et donc je me suis plutôt remis sur Gazprom. Et donc là, Gazprom qui commence à bien construire, pour celles et ceux qui veulent aller voir le graphique, je vous y invite. Et du coup, j'ai commencé à surpondérer. Éventuellement, vous faire une petite étude sur Gazprom d'un point de vue fondamental plus graphique. Mais ce que je ferai certainement demain, c'est que je vous publierai une étude énergie. Alors, toutes les études, hein, et tous les partages que je fais sont faits en direct sur l'Académie des Graphes, je le rappelle. Et derrière, sur l'Académie des Graphes également, je partage mes vues fondamentales. Donc je ne fais pas que de l'analyse graphique ou technique, je partage également des dossiers, on en discute, etc. Et donc éventuellement, donc demain, je vous ferai une vidéo pour vous partager ce qui avait motivé mon achat et ce qui motive mon achat de énergie, et je vais continuer d'accumuler et de renforcer cette position. Donc je vous partagerai ça également certainement en vidéo demain. Et derrière, on verra au fur et à mesure. Toutes les autres valeurs, toutes les autres études sont sur l'Académie des Graphes, et au fur et à mesure, je continue d'en rajouter, et de temps en temps, éventuellement, je peux en rendre une publique pour vous permettre de voir un petit peu comment je vois les choses et également comment ça se passe au sein de l'Académie des Graphes. Voilà, je regarde rapidement, est-ce que j'ai des choses à dire? Non, pas grand-chose de plus à vous dire. Donc comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça vous êtes notifié, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo et vous ne loupez rien. Je vous invite dans les commentaires à me dire vous comment votre mois s'est passé, comment vous voyez le reste, et quelles sont les positions que vous avez, quelles sont les choses que vous regardez éventuellement. Voilà, ça peut aider l'ensemble de la communauté de discuter, etc. Et donc je vous retrouve dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée les graphes, et je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Salut !